tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Oh, hey! Que vous soyez encore à l'école ou plus à l'école, je suis sûr que vous avez déjà rêvé d'avoir un prof différent des autres, un prof magique. Dans cette vidéo, découvre 10 profs qui n'existent pas, mais que tu aimerais avoir. Regarde bien cette vidéo et dis-moi à la fin lequel de ces 10 est ton préféré. Et bien sûr, like ou je mange tes oreilles cette nuit. Le prof gourmand. Bonjour les enfants. Aujourd'hui nous allons faire une bonne recette de cookies. J'espère que vous êtes prêts à manger de bons petits biscuits, car c'est la seule chose qu'on fera aujourd'hui, comme tous les jours de l'année. Des gâteaux, des bons petits plats, et ce midi on mange des frites. Ouais. Mais avant de commencer, bien sûr, la tradition de tous les matins, qu'est-ce qu'on fait? Chocolat. Chocolat pour tout le monde. Prof anti-devoir. Bon, le cours est terminé, les enfants. Alors, comme tous les jours, pas de devoir, hein, parce que de toute manière, on s'en fiche. Moi, j'ai pas envie de vérifier si vous les avez fait ou pas fait, hein, j'en ai rien à faire. Et puis en plus, moi, j'étais élève à votre place, donc je sais que les devoirs, c'est relou. Donc, je vous en donne pas, et puis comme ça, ça me fait pas de trucs à corriger. Et demain, on peut faire un autre cours sans passer 10 minutes à corriger les devoirs. Bonne soirée. Le prof de réseaux sociaux. Bonjour, bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, le cours, c'est apprendre à faire de bons selfies. Parce que bon, hein, j'ai suivi à peu près tout le monde sur les réseaux sociaux, et bien vous ne savez pas tous faire de bons selfies. Alors, premièrement, levez l'appareil pour vous prendre de haut, parce que de bas, c'est pas joli. Et puis ensuite, eh bien, souriez ou regardez à côté. Voilà, c'est pas compliqué, travaux pratiques. N'oubliez pas que demain, on s'inscrit tous sur Discord. Le prof YouTuber. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un cours un petit peu spécial. On va apprendre à présenter des produits, on va apprendre à faire des unboxings de folie, et puis surtout je vous apprendrai comment faire de bonnes coopérations ensemble pour gagner encore plus de bonnes notes. N'hésitez pas bien sûr à liker mon cours, à vous abonner à mon cours, et puis peut-être que je vous followerai back. Ouh, waouh. Le prof généreux. Bon alors tout le monde, j'ai corrigé vos copies, c'est incroyable, vous êtes tous des génies. Non mais vraiment, alors là, alors entre Martine qui a fait des fautes à toutes les phrases, mais en même temps c'était tellement joli, tellement poétique, tu as réinventé la langue française, 20 sur 20. Bruno, une page blanche, mais c'est formidable, mais fallait y penser, fallait le faire, fallait oser. Un esprit rebelle comme ça, ça s'encourage, 20 sur 20 sur la page blanche. Et puis ensuite Polo, Polo vraiment tu étais absent, mais ton absence même est un acte engagé. 20 sur 20, 20 sur 20 pour tout le monde, 20 sur 20 pour toi, 20 sur 20 pour toi. Vous êtes géniaux. Le prof absent. Le prof pote. Wesh les potos, ça va? Vous avez passé un bon week-end? Eh, écoutez, le week-end prochain, vous êtes tous invités chez moi. Barbecue géant, ouais. Non mais arrêtez de m'appeler monsieur ou prof ou... Eh, on est pareil, vous et moi, hein. On vient tous de la vie, quoi. Alors, vous venez samedi prochain? On fera de la plaie, ouais. On pourra faire un karaoké aussi. Bien sûr, vous pouvez vous absenter aujourd'hui. Eh, je dirai rien à vos parents, hein. Vous savez, entre nous, hein, on se fait confiance. Oh, je vous adore, vous êtes les potes que j'ai jamais eus. Le prof flemmard. Bon les enfants, aujourd'hui hein, on va pas faire cours comme tous les jours hein, parce que je suis un petit peu fatigué. Alors on va regarder Titanic. Ah, on l'a déjà vu la semaine dernière. Bon écoutez, vous savez quoi, j'ai ramené mon stock de films, vous choisissez, vous vous débrouillez, surtout ne faites pas de bruit et ne me dérangez sous aucun prétexte. Si vous me dérangez pas, vous avez tous 20 et puis on passera l'année comme ça tranquille, bon d'accord? Allez, fais une petite sieste. Le prof voyageur. Bon alors les enfants, vous êtes prêts à partir en voyage avec moi? Alors bon, la semaine dernière, on est parti un petit peu dans le sud de l'Europe, c'était sympa. Je vous propose cette semaine de partir à New York. Qui est partant, hein? Vous avez vos autorisations parentales? Non, vous inquiétez pas, je paye pour tout, hein, l'hôtel, les vols, la bouffe, tout est pris en charge, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, comment ça vous les bananes à New York? Vous préférez Tokyo? Eh ben pas de problème, on va à Tokyo, allez hop. Wouh. Bon par contre, je vous préviens, hein, la semaine prochaine, on va en Australie. Alors là, ah, c'est moi qui choisis. Le prof gamer. Bien, vous avez tous pris votre manette? Oui, PS4 aujourd'hui, c'était la semaine. Non, Xbox c'est la semaine prochaine. Bon, c'est pas grave, tu suivras avec ta voisine. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à comment devenir top 1 sur Fortnite. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti, le cours commence. Tous à vos manettes! Si tu ne devais choisir qu'un seul prof parmi tout cela, lequel préférais-tu avoir? Dis-moi ça dans les commentaires! Avant de partir, laisse ton plus beau like, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo, et regarde l'une de ces deux vidéos pour avoir encore plus de fun et de délire! Merci à tous, et à bientôt! Pour de nouvelles aventures. Bye!